Et je voudrais ici, si vous le permettez, honorable député, digne élu du peuple, en ma qualité de première ministre, chef du gouvernement, en tant que ma qualité de maman congolaise, indiquer que la République démocratique du Congo se défendra face à nos agresseurs ainsi qu'à leurs complices, ceux qui massacrent tous les jours nos paisibles populations, qui décapitent nos enfants, nos frères qui violent nos sœurs, nos mamans qui pillent nos richesses. Tôt ou tard, ils répondront de leur barbarie et de leurs crimes devant la justice. Nous vous remercions, Madame la Première Ministre. Je demande à l'auguste Assemblée de l'applaudir à travers elle, toute son équipe gouvernementale. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Honorables députés, chers collègues, à présent, j'invite Madame la Première Ministre à reprendre la parole pour cette fois-ci nous présenter le programme tant attendu de son gouvernement. Madame la Première Ministre, vous avez la parole. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux élus légitimes du peuple congolais, permettez-moi d'indiquer qu'en arrivant tout à l'heure, j'ai été informé d'une bousculade à l'extérieur, dont une policière. Je tiens à exprimer toute ma compassion à l'égard de toutes ces personnes blessées et je demande aux autorités compétentes de faire le nécessaire pour élucider cet accident malheureux. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorables députés nationaux élus légitimes du peuple congolais. C'est avec une immense fierté et une profonde humilité que je m'adresse aujourd'hui à votre auguste Assemblée, conformément aux dispositions de l'article 90 de notre Constitution, pour solliciter solennellement la confiance des honorables représentants du peuple sur le programme d'action du gouvernement de la République démocratique du Congo que j'ai l'honneur de diriger. Je tiens de prime abord à rendre grâce au Dieu, le maître des temps et des circonstances. Je tiens aussi à exprimer ma plus vive gratitude et à rendre un hommage appuyé à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion africain de la masculinité positive, pour la confiance qu'il m'a accordée en me confiant cette lourde responsabilité. En accédant à cette fonction, je suis pleinement consciente de l'importance historique de ce moment et de la symbolique de cette nomination pour la nation congolaise. Je ressens à la fois le poids de la responsabilité qui m'incombe, ainsi qu'une immense fierté à l'idée de représenter au sein de la République l'aboutissement des efforts de tous les Congolaises et de tous les Congolais tendant à briser le fameux plafond de verre pour produire l'égalité par la concrétisation du principe de la parité homme-femme dans tous les domaines de la vie de notre société. Je salue donc la lutte menée par tous les Congolais et toutes les Congolaises pour que l'égalité des genres ne soit pas simplement un concept abstrait, mais une réalité vécue au quotidien par des millions de femmes à travers le pays. Aujourd'hui, et chaque jour qui passe, je ne cesserai de rendre un vibrant hommage à toutes ces femmes congolaises, de Kimpa Vita à Anwarite Nengapeta, de Sophie Kanza à toutes celles qui, dans l'anonymat, ont marqué l'histoire de notre pays
par leur courage, leur détermination et leur engagement en faveur de la justice, de l'égalité et des droits des femmes. Elles sont des exemples inspirants de résilience, de lutte pour un avenir meilleur en République démocratique du Congo. C'est dans le prolongement de leur combat que je m'engage avec détermination et responsabilité à servir notre pays et chacun de ses citoyens sans distinction pour promouvoir cette vision d'égalité et d'inclusion dans tous les domaines de notre société. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, dignes élus du peuple. Le programme d'action du gouvernement 2024-2028 servira de base pour la programmation des activités des ministères, des structures et des agences, ainsi que pour l'élaboration et la mise en œuvre du budget de l'État au cours de la période indiquée. La vision politique du programme d'action de votre gouvernement se situe dans le prolongement de la maxime devenue populaire, le peuple d'abord. Car l'ensemble de l'action gouvernementale vise d'abord l'intérêt du peuple congolais. Ainsi, durant ce second quinquennat, l'action gouvernementale continuera à mettre l'accent sur l'homme qui doit être considéré à la fois comme la ressource principale, le principal moteur du développement et le destinataire du fruit de ce progrès. La matérialisation de cette vision qui place le citoyen congolais au centre de toute l'action politique et gouvernementale de ce second mandat se traduit par les quatre principes directeurs qui guideront l'action du gouvernement, à savoir, en premier lieu, la réhabilitation du citoyen congolais dans la plénitude de sa dignité et du sentiment de fierté nationale. En second lieu, la promotion du dialogue comme instrument clé pour la consolidation de la cohésion nationale et de la participation citoyenne. En troisième lieu, la réussite de la transition de la République démocratique du Congo vers une société à haute intensité technologique. Et enfin, quatrièmement, l'allocation des ressources publiques avec efficacité et équité. Le programme d'action de votre gouvernement tire principalement sa source de plusieurs documents nationaux de planification stratégique et du programme électoral du président de la République 2024-2028 intitulé « Allons-y, unité, sécurité, prospérité ». Avant tout, il y a la vision de développement à l'horizon 2050 comme référentiel stratégique à long terme qui vise à construire une économie diversifiée à croissance inclusive et à revenus intermédiaires en vue de vaincre la pauvreté. Ensuite, le programme d'action du gouvernement 2024-2028 s'est également inspiré des résultats des travaux préparatoires de l'élaboration du plan national stratégique de développement, PNSD en sigle, en cours de finalisation. Par cette approche, le programme d'action du gouvernement sera en cohérence avec le cadre de référence qu'est le PNSD. C'est ainsi que le gouvernement s'attellera dès l'investiture à le faire valider. Dans cette même optique de convergence programmatique, la planification et la mise en œuvre des actions, projets et réformes du programme d'action du gouvernement 24-28 ont été conçus dans une approche d'alignement avec les différents documents de stratégie nationale et ou sectorielle, avec les outils de planification opérationnelle formulés par les ministères sectoriels et adoptés en Conseil des ministres. Par ailleurs, le programme d'action du gouvernement 24-28 s'inscrit aussi bien
dans la poursuite que dans le renforcement des interventions du quinquennat 2019-2023. Comme l'a d'ailleurs souligné le chef de l'État lui-même, il est question d'aller jusqu'au bout de ce que nous avons, si bien commencé. Ainsi, le programme d'action du gouvernement 24-28 s'inscrit dans la continuité des réformes, projets et actions qui ont commencé à produire des résultats, à l'instar de ce que nous avons commencé à engranger du niveau du PDL 145 territoires. Sur le plan politique, le programme d'action de votre gouvernement se fonde sur le programme électoral du président de la République 2024-2028. Celui-ci est, dans son essence, la matérialisation de la vision politique du président de la République. En effet, dans son discours d'investiture du 20 janvier 2024, le président de la République avait rappelé les 6 engagements majeurs qui forment le contrat qu'il a conclu avec le peuple congolais pour son second mandat. Pour rappel, les promesses électorales du président de la République, qui sont en même temps les engagements majeurs de ce programme d'action de votre gouvernement pour le quinquennat 24-28, se présentent de la manière suivante. Nous avons en premier lieu comme action créé plus d'emplois pour aborder les dizaines de milliers de jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année et réduire le niveau de sous-emploi. En second lieu, il s'agit de protéger et renforcer le pouvoir d'achat des ménages congolais contre les aléas des prix à l'importation et les variations du taux de change afin de leur garantir une qualité de vie stable et digne. En troisième lieu, il s'agira de mieux protéger le citoyen congolais afin que la République démocratique du Congo se rapproche de son destin d'arbre de paix pour le bénéfice de l'ensemble de la région d'Afrique centrale et des Grands Lacs. En quatrième lieu, nous avons la nécessité de construire une économie plus diversifiée et plus compétitive. En cinquième lieu, il s'agira d'assurer plus d'accès aux services de base en vue d'éliminer progressivement les disparités géographiques entre milieux urbains et ruraux, entre provinces, entre grandes et petites villes et en ce qui concerne l'offre des services sociaux. Et enfin, il s'agira de renforcer en sixième lieu l'efficacité des services publics. Pour finir, le programme d'action de votre gouvernement s'est également inspiré des propositions contenues dans les différents mémorandums qui m'ont été remis lors des consultations que j'avais organisées à l'hôtel du gouvernement avec les regroupements des partis politiques de la majorité présidentielle, les caucus des députés, les organisations de la société civile et du patronat. Il prend également en compte l'évolution récente de la situation économique et sociale, la conjoncture régionale et internationale, ainsi que les engagements internationaux de développement auxquels la République démocratique du Congo a... Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple. À ce jour, la République démocratique du Congo est confrontée à des défis et à des contraintes structurelles majeures qui entravent sa souveraineté, son économie et son développement, lesquels doivent être surmontés pour favoriser l'émergence économique du pays. Sur le plan sécuritaire, notre pays est confronté à une situation précaire qui demande une action urgente, notamment dans le Nord Kivu, où l'armée rwandaise, sous le couvert du mouvement rebelle M23, continue de fragiliser le tissu socio-économique en occupant des parties du territoire de Rutshuru, Masisi et Niragongo. La présence des groupes armés étrangers et locaux en Ituri, au Sud Kivu, au Maniema et au Tanganyika
a encore exacerbé la sécurité et perturbé la coexistence pacifique de la population congolaise. Dans d'autres parties du pays, notamment le Maïndombé, la Tchopo, le Maniema, l'espace du Grand Kassai, l'espace du Grand Katanga, il persiste encore des conflits intercommunautaires. De même, dans plusieurs grandes villes de la République, la criminalité urbaine, dénommée Kuluna, continue à insécuriser les paisibles citoyens. Sur le plan macroéconomique, malgré les pressions externes et les problèmes de sécurité, l'économie congolaise a affiché des performances satisfaisantes. La croissance économique soutenue est essentiellement tirée par le secteur extractif exacerbant la vulnérabilité de l'économie congolaise. De même, l'évolution des niveaux de prix et de biens est dominée par la persistance des pressions inflationnistes d'origine externe. Dans l'entretemps, les réserves internationales se sont établies à un niveau de 5 milliards de dollars au 28 décembre 2023, équivalent à 2,8 mois d'importation des biens et services. En revanche, le marché de change est étroit et souvent en tension avec des dépréciations monétaires persistantes. En ce qui concerne le volet social, le premier mandat du chef de l'État a été marqué par des efforts importants dans les secteurs de la santé et de l'éducation, notamment avec la mise en place progressive de la couverture santé universelle et la gratuité de l'enseignement de base. La gratuité de la maternité est effective dans la ville-province de Kinshasa et se met en place progressivement dans les autres provinces. La gratuité de l'enseignement de base est devenue opérationnelle depuis septembre 2019, avec des résultats probants. Des efforts seront faits pour pérenniser cette réforme phare du premier quinquennat en mettant l'accent sur la construction, la réhabilitation et l'équipement des écoles, ainsi que la formation des enseignants. De la même manière, des efforts importants ont été engagés dans la desserte d'eau et d'électricité pour résorber les perturbations dans leur distribution. Mais la vétusté des équipements de production et de distribution, la faiblesse de gestion, le volume des créances sur l'État et le faible taux d'investissement dans ces secteurs limitent la capacité du pays à faire face aux besoins de la population. Par ailleurs, les conflits armés récurrents dans certaines régions du pays interrompent les chaînes d'approvisionnement et entravent l'accès aux terres agricoles et aux marchés. À cela s'ajoutent la pauvreté et les inégalités, les conséquences du changement climatique, notamment la sécheresse, les inondations, les érosions qui accentuent la pauvreté et contribuent à l'insécurité alimentaire des populations et la malnutrition infantile. La formulation des actions, projets et réformes de ce programme s'est fondée sur une analyse exhaustive de ces défis et de ces contraintes structurelles majeures qui entravent l'économie et le développement de la République démocratique du Congo. Lesquelles contraintes doivent être surmontées pour favoriser l'émergence économique du pays? Et donc, pour surmonter ces obstacles, la République démocratique du Congo doit adopter des politiques économiques solides, favoriser la diversification économique, renforcer ses institutions et lutter efficacement contre la corruption afin d'assurer une croissance inclusive et durable. Ces réformes nécessitent une approche intégrée impliquant le gouvernement, les partenaires internationaux, le secteur privé et la société civile pour garantir des progrès durables en vue de l'atteinte des objectifs de développement durable. Compte tenu de l'ampleur de ces contraintes structurelles, le programme d'action du gouvernement 24-28
traduit la ferme volonté du gouvernement congolais d'atteindre un double objectif, à savoir consolider les acquis du premier mandat en vue de parachever l'avènement d'un Congo plus uni, mieux sécurisé, avant-gardiste à la souveraineté affirmée et plus prospère, et poser définitivement les jalons d'un Congo émergent dans lequel l'autorité de l'État est consolidée, la solidarité renforcée et les villes connectées pour le meilleur. Pour atteindre ces objectifs, le programme d'action de votre gouvernement définit ses grandes orientations, objectifs, axes d'intervention et actions prioritaires en vue de guider ses décisions stratégiques et opérationnelles. Ce cadre d'orientation stratégique est structuré en 6 piliers. 1. Construire une économie diversifiée et compétitive pour créer plus d'emplois et protéger le pouvoir d'achat des ménages. 2. Protéger le territoire national et sécuriser les personnes et leurs biens. 3. Aménager le territoire national en vue d'une connectivité maximale. 4. Garantir l'accès aux services sociaux de base. 5. Renforcer les capacités du Congolais pour participer à la construction du pays. Et 6. Gérer durablement et de manière responsable l'écosystème de la République démocratique du Congo face au changement climatique. Ces 6 piliers permettront par leur synergie et leur effet complémentaire et cumulatif d'accélérer le développement économique et social de la République démocratique du Congo. Ces piliers se déclinent en 52 axes stratégiques qui correspondent aux différents domaines d'intervention. À leur tour, les 52 axes stratégiques se déclinent en 326 actions, projets et réformes qui seront respectivement mises en œuvre par les ministères sectoriels. Certaines de ces actions constituent des exigences immédiates et d'autres relèvent de la nécessité de transformer structurellement notre société ainsi que notre économie. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux élus légitimes du peuple, permettez-moi maintenant d'attirer l'attention de votre auguste Assemblée sur ce que votre gouvernement entend réaliser pour les 5 prochaines années en vue de matérialiser notre ambition de bâtir un État uni et mieux sécurisé, une économie plus diversifiée et compétitive, et une société plus juste pour un développement durable. Le premier pilier de ce programme a pour objectif de créer plus d'emplois et de protéger le pouvoir d'achat des ménages. Il regroupe en lui-même les 2 premiers engagements électoraux publics, à savoir plus d'emplois et de pouvoir d'achat. En effet, les efforts de stabilisation du cadre macroéconomique du pays déployés durant le premier quinquennat n'ont pas suffisamment facilité la création d'emplois, ni garanti la protection du pouvoir d'achat face à une démographie galopante. Dans le même temps, les fruits de la croissance économique et tous les efforts de redistribution ont été réduits par de faibles revenus, l'envolée des prix mondiaux et la dépréciation de la monnaie nationale. C'est compte tenu de ce constat que le gouvernement que je dirige a fait le choix de mettre en œuvre une politique claire de lutte contre la cherté de la vie, visant à atténuer les effets de chocs internes et externes sur les prix intérieurs, tels que les chocs sur le coût d'importation des biens, sur l'offre des biens alimentaires et sur le coût de l'énergie observée à la suite notamment de la guerre russo-ukrainienne, ainsi que les chocs liés à la situation sécuritaire du pays. Pour atteindre les objectifs de ce pilier, l'action gouvernementale
s'articule autour de deux volets. La stabilisation du cadre macroéconomique, d'une part, et la poursuite de la transformation structurelle de notre économie, d'autre part. S'agissant de la stabilisation du cadre macroéconomique, le gouvernement entend mobiliser ses partenaires financiers et orienter son action économique pour mettre le pays dans une trajectoire émergente et mieux redistribuer les fruits de la croissance économique. Pour ce faire, le programme économique du gouvernement mettra en œuvre à court terme des mesures d'atténuation pour stabiliser le cadre macroéconomique et réduire le coût de la vie, tant des travailleurs dans le secteur public que privé. Ce volet se décline en trois axes stratégiques d'intervention, à savoir l'amélioration de la gestion des finances publiques dans une perspective de plus de transparence, plus d'efficience et plus de redevabilité. Le renforcement des instruments monétaires et de change et développement du système financier national. Et enfin, la poursuite de la mise en œuvre des réformes structurelles macroéconomiques pour stimuler l'investissement privé et améliorer le mécanisme de régulation des prix de produits alimentaires, de grande consommation et des produits pétroliers. Une des importantes réformes dans le secteur financier et économique concerne la libéralisation du secteur des assurances. En effet, au cours des 5 dernières années, le secteur a pu produire des résultats probants et encourageants en faisant passer notre marché de l'équivalent de 70 millions de dollars en 2018 à plus de 320 millions de dollars à fin 2023. En vue de permettre à ce secteur de jouer pleinement son rôle de placeur institutionnel dans le financement de notre économie, dans la protection des investissements et l'amélioration du climat des affaires, ainsi que la protection sociale de nos compatriotes et de leur patrimoine, votre gouvernement travaillera activement dans ce secteur, notamment en accompagnant l'autorité de régulation et de contrôle des assurances dans ses missions. Le volet de la transformation structurelle de l'économie vise la diversification de l'économie tout en relevant le défi de la dépendance excessive vis-à-vis des ressources naturelles qui nécessite une approche holistique. En effet, les ressources publiques dominées actuellement par le secteur minier seront orientées vers les secteurs agricoles, industriels et touristiques, tirant parti de la riche biodiversité du pays. La revanche du sol congolais sur le sous-sol est une nécessité pour permettre à l'économie congolaise de se hisser au rang des nations à revenus intermédiaires et résilientes face aux diverses formes de volatilité. Investir dans l'agriculture moderne et durable créera des emplois, réduira la pauvreté et stimulera la croissance économique. Parallèlement, l'industrialisation, la transformation locale et le développement du tourisme seront encouragés et favoriseront une croissance économique plus équilibrée et résiliente, réduisant ainsi la vulnérabilité aux fluctuations des prix des matières premières. Ce volet s'articulera autour de 6 axes stratégiques bâtis sur un ensemble d'actions, projets, programmes ou réformes qui sont regroupés suivant une logique des thématiques sectorielles. Le premier axe est orienté vers la modernisation et le développement des secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Le deuxième concerne le renforcement des liens commerciaux avec les partenaires régionaux et internationaux. Et enfin, le troisième vise la création et le développement des petites et moyennes entreprises à travers des politiques de soutien et des programmes d'accompagnement. En effet,
des très petites unités de production informelle qui se dénombrent en millions à travers le pays sont des viviers d'emplois à qui il manque des espaces de travail fonctionnels et connectés au réseau des infrastructures de base, l'accès au crédit, un environnement d'affaires libéré des entraves d'une bureaucratie peu efficace, des travailleurs qualifiés et des débouchés commerciaux sûrs. Votre gouvernement envisage ainsi de créer 2 600 000 emplois par ce programme. Placé sous la coordination des ministères de l'économie nationale et de l'industrie et PME, ce programme consistera, en partenariat avec le secteur privé, à regrouper dans les villes de plus d'un million d'habitants, en commençant par Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani, les corps de métier qui travaillent aujourd'hui en plein air, sans accès au crédit ou à toute autre forme d'appui de la part de l'État, pour leur faire bénéficier des avantages susceptibles d'accélérer leur formalisation. Le quatrième axe stratégique de ce volet concerne le développement d'un secteur industriel compétitif et diversifié. Dans le but de bâtir une économie diversifiée et compétitive, votre gouvernement poursuivra les efforts annoncés dans le document de la politique des stratégies industrielles 2019-2023. Le plan directeur d'industrialisation qui en est le bras opérationnel a identifié 6 zones industrielles et leur orientation de développement sur la base des avantages comparatifs. Le gouvernement veillera à lancer les projets censés déclencher le développement industriel dans ces zones. Il s'agit essentiellement des projets d'électrification avec notamment des grands barrages hydroélectriques, dont le Grand Inga, l'énergie solaire, la centrale thermique. Autres projets, ce sont ceux des transports, avec par exemple le port de Banana, le chemin de fer Banana-Kinshasa, les principales routes nationales, connexions ferroviaires, et aussi un des projets qui portent sur la communication, avec par exemple l'épine dorsale à fibre optique. Le cinquième axe stratégique de ce volet regroupe l'ensemble des actions qui concourent à la gestion durable des ressources naturelles du pays et à la maximisation des retombées socio-économiques du secteur extractif. En effet, au cours des 5 dernières années, le secteur a été marqué par deux développements encourageant, d'une part, l'initiative de la mise en place d'une chaîne de valeur des batteries des véhicules électriques et d'autre part, l'encadrement des artisans miniers du cobalt. Ainsi, poursuivant ses efforts, le gouvernement veillera à assainir la chaîne d'approvisionnement des minerais pour mettre la République démocratique du Congo dans la meilleure position pour tirer profit des opportunités offertes par la transition énergétique. La création en 2019 de l'autorité de régulation et de contrôle des minerais stratégiques, RSCOM, et celle de l'entreprise générale de cobalt EGC participent donc de ces efforts. Dans cet élan, et compte tenu des impératifs de la transition énergétique, le gouvernement entreprendra sous cet axe stratégique 18 actions dûment recensées en vue d'atteindre les 4 objectifs spécifiques ci-après, promouvoir l'image de la RDC comme destination fiable des investissements étrangers dans le secteur minier et des hydrocarbures, renforcer les capacités de l'administration minière, intensifier les recherches géologiques et enfin développer une industrie minière compétitive. Le sixième et dernier axe stratégique de cet agenda de transformation structurelle de notre économie concerne la valorisation du potentiel touristique de notre pays. Il s'agit là d'une question cruciale qui peut contribuer durablement à la fois au développement économique du pays et à la création d'emplois
et à la préservation de ses richesses naturelles et culturelles. À ce propos, le gouvernement de la République poursuivra deux objectifs généraux dans ce secteur. Développer une offre touristique diversifiée et attrayante pour les visiteurs nationaux et internationaux et promouvoir un tourisme durable qui préserve l'environnement naturel et culturel de la République démocratique du Congo pour les générations futures. L'implication des communautés locales dans le secteur touristique contribuera également à un développement équitable et responsable. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du Bureau, honorables députés nationaux, dignes représentants du peuple. Comme vous le savez, notre pays fait face à une agression étrangère rwandaise qui a forcé des millions de nos concitoyens à fuir leur foyer, abandonnant tout ce qu'ils avaient pour chercher refuge dans des camps de fortune, dépourvus de toute assistance humanitaire adéquate. Ces hommes, femmes et enfants innocents sont confrontés à des conditions inhumaines, à la faim, à la maladie et au désespoir, alors que nous nous efforçons de trouver des solutions pour répondre à cette crise déchirante. Il est donc de notre devoir, en tant que nation souveraine et solidaire, de protéger notre peuple et de répondre à cette tragédie avec compassion, détermination et fermeté. Nous ne pouvons rester les bras croisés face à la souffrance de nos concitoyens. Nous devons agir rapidement et efficacement pour fournir une assistance humanitaire d'urgence, garantir la sécurité des personnes déplacées et travailler sans relâche pour mettre fin à cette agression étrangère et rétablir la paix et la stabilité dans notre pays. En ces moments sombres, l'unité et la solidarité de notre nation seront notre force et notre espoir pour surmonter cette épreuve avec dignité et résilience. C'est pourquoi le deuxième pilier de ce programme d'action du gouvernement entend apporter des réponses aux questions liées à la protection du territoire national et de la sécurisation de la population et de ses biens. Stratégique d'intervention qui recoupe quatre thématiques liées à la paix et à la sécurité, avec au total 56 actions pour un coût cumulé sur les 5 ans estimé à 55 400 milliards de francs congolais et une moyenne annuelle de 11 000 milliards de francs congolais, ce qui représente 20% du coût total de ce programme. Le premier axe stratégique de ce pilier concerne la poursuite de la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Il poursuit un triple objectif qui concerne respectivement les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, la police nationale congolaise et les autres forces de défense et de sécurité civile. S'agissant des FARDC, votre gouvernement s'engage à assurer le financement et à opérationnaliser les actions et projets contenus dans la loi de programmation militaire en vue d'accroître l'efficacité des FARDC dans l'accomplissement de leur mission, renforçant la protection et la sécurité de notre territoire et de sa population. Cet engagement implique la poursuite des recrutements au sein des FARDC en vue de rajeunir les troupes et de dégager les inactifs. Dans cette même lancée, votre gouvernement prend un double engagement. Le premier consiste à accélérer la mise en œuvre de la loi instituant la réserve armée de la défense et du document de politique de défense de la République démocratique du Congo. Le deuxième est celui d'élaborer un plan de financement détaillé en identifiant les besoins financiers spécifiques de chaque force de défense et de sécurité civile et en créant un plan financier précis pour chaque stratégie.
En outre, il procédera à une révision périodique des mécanismes de financement existants en les évaluant pour déterminer s'ils sont adéquats pour soutenir les actions et projets des forces de défense et de sécurité civile. Si nécessaire, il envisagera des ajustements ou l'introduction de nouvelles sources de financement. En ce qui concerne la police nationale congolaise, les efforts de votre gouvernement seront orientés à assurer le financement et à opérationnaliser les actions et projets contenus dans la loi de programmation de la police nationale congolaise. Parmi les actions retenues, il y a lieu de citer la construction d'une académie de haut niveau de la police nationale congolaise, le rehaussement des conditions d'éligibilité pour le recrutement au sein de la police, la formation régulière de 14 000 policiers dans les écoles de police, 21 000 en formation initiale accélérée et 400 commissaires dans les académies de police. Il faudra aussi assurer une répartition équilibrée sur l'ensemble du territoire national et enfin garantir l'investissement public dans l'équipement, les outils de surveillance moderne et la logistique de la PNC. Au chapitre du parachèvement de la réforme du système de sécurité, l'action de votre gouvernement consistera à renforcer les mécanismes de coordination et d'intégration du système de défense et de sécurité. Pour atteindre cet objectif, il sera mis en place une gouvernance intégrée du système de défense et de sécurité en vue de prévenir et de répondre efficacement à toutes les menaces contre le territoire et la population. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorables députés nationaux, dignes représentants du peuple, l'ambition de la République démocratique du Congo en matière de paix et de sécurité ne peut être dissociée de l'engagement de renforcer la cohésion communautaire. Cet engagement est essentiel pour garantir une paix durable dans notre société. C'est pourquoi votre gouvernement agira en cette matière à partir de deux approches. En premier lieu, celle de la prévention des conflits. En effet, lorsque les communautés sont unies et interagissent de manière harmonieuse, cela réduit les risques de tensions, de divisions et de conflits internes. Une forte cohésion communautaire peut servir de mécanisme de prévention des conflits en favorisant le dialogue, la compréhension mutuelle et le respect des différences. En second lieu, celle de la résolution pacifique des conflits. Car, en cas de tension ou de conflit, une communauté cohésive est mieux placée pour promouvoir des mécanismes de résolution pacifique des conflits, tels que la médiation, la négociation et le dialogue inclusif. La solidarité et la coopération au sein de la communauté facilitent le processus de réconciliation et de reconstruction après un conflit. Partant de ces deux approches, le gouvernement mettra en place un dispositif de prévention et de résolution des conflits intercommunautaires et coutumiers. Il dotera des moyens conséquents et renforcera les capacités d'intervention des commissions consultatives de règlement de conflits coutumiers. Dans le même souci de garantir une paix durable, votre gouvernement s'engage à poursuivre la politique de réinsertion socio-économique des démobilisés à travers le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Pour ce faire, il garantit la mise à disposition des ressources budgétaires suffisantes au PDDRCS
pour assurer le démarrage des segments désarmement et démobilisation, aucun effort pour défendre et promouvoir les intérêts de la République démocratique du Congo sur la scène internationale. Son action extérieure reposera également sur la coopération et le dialogue multilatéraux, favorisant ainsi la collaboration entre les nations pour relever les défis mondiaux tels que le changement climatique, la pauvreté ou les pandémies, en mettant l'accent sur la recherche de solutions communes. C'est compte tenu de cette ambition d'instaurer une nouvelle ère diplomatique axée sur les capacités d'analyse, de renseignement, de communication et de planification stratégique robuste, centrée sur les intérêts nationaux, que l'objectif principal sera de valoriser la position géostratégique de la République démocratique du Congo et restaurer son image de marque. Dans cette perspective, plusieurs autres actions sont identifiées. Il s'agit notamment de régulariser les arriérés des cotisations pour être en conformité avec les engagements financiers au sein des organisations internationales. Réhabiliter et rationaliser les missions diplomatiques. Promouvoir la nomination des cadres congolais au sein de différentes organisations régionales et internationales. Doter l'Académie diplomatique de moyens conséquents et redynamiser ses activités formatives. Et enfin, accompagner la nouvelle configuration de la présence onusienne en République démocratique du Congo après le départ de la MONUSCO. S'agissant de ce dernier point, le retrait progressif ordonné et responsable de la MONUSCO en RDC est une étape cruciale que nous aborderons avec sérieux et engagement. À ce jour, ce processus touche à sa fin dans la province du Sud Kivu et dès le début du mois de juillet et après évaluation, nous entamerons la transition vers une nouvelle phase. En collaboration étroite avec les agences, fonds et programmes du système des Nations Unies, le gouvernement s'efforcera de poursuivre les différents projets qui étaient précédemment gérés par la MONUSCO, assurant ainsi une continuité dans nos efforts de stabilité et de développement. Nous envisageons aussi la planification conjointe de la seconde phase du processus de désengagement de la MONUSCO. Parallèlement, il est impératif que nous accompagnions la nouvelle configuration onusienne en RDC après le retrait de la MONUSCO afin d'assurer une transition harmonieuse et efficace vers une plus grande autonomie et responsabilité en matière de sécurité et de stabilité. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple. L'engagement de renforcer l'autorité de l'État, de promouvoir l'État de droit et la démocratie n'est qu'un vœu pieux sans un appareil judiciaire restauré et sécurisé. Il est donc impérieux d'améliorer le fonctionnement de l'appareil judiciaire et de veiller à la bonne administration de la justice d'une part et d'autre part, d'améliorer les conditions de vie et de travail des magistrats et du personnel judiciaire. Partant du constat peu reluisant de ce secteur, votre gouvernement s'engage à poursuivre l'amélioration de la gouvernance judiciaire à travers la garantie de l'accès aux droits et à une justice de qualité pour tous et améliorer la performance de l'administration de la justice. Pour atteindre cet objectif, plusieurs actions identifiées seront mises en œuvre durant ce quinquennat. Le gouvernement mettra en place un fonds d'aide judiciaire en vue de faciliter l'accès à la justice pour les plus démunis et les personnes en situation de vulnérabilité. Il poursuivra l'amélioration progressive des conditions salariales et de travail du personnel judiciaire et dynamisera le fonctionnement des chambres disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature. En vue de l'exigence
de la transparence dans les procédures judiciaires, le gouvernement soutiendra les médias et les organisations de la société civile dans le cadre d'un partenariat en vue de favoriser le contrôle citoyen qui pourrait se traduire notamment par la dénonciation des cas de corruption judiciaire. La mesure phare de votre gouvernement dans ce secteur sera celle d'assurer une couverture optimale en termes d'implantation des cours et tribunaux dans une bonne distribution de la justice en rapport avec la décentralisation territoriale, donc au niveau des chefferies, territoires, villes et provinces. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple. Le troisième pilier de ce programme d'action du gouvernement porte l'ambition d'aménager le territoire national en vue d'une connectivité maximale. Il comprend au total 8 axes stratégiques et 41 actions dont le coût cumulé sur les 5 ans est estimé à 63 300 milliards de francs congolais et une moyenne annuelle de 13,8 000 milliards de francs congolais, ce qui représente 25% du coût total de ce programme. La modernisation des infrastructures de transport et l'aménagement du territoire constituent le socle pour stimuler la croissance économique, créer des emplois, améliorer la qualité de vie et favoriser le développement durable. À travers des axes stratégiques clairs et ciblés, tels que l'investissement dans les infrastructures de transport, l'amélioration de l'accès aux services de transport et de communication, la promotion des nouvelles technologies de l'information et de communication et le développement urbain durable, le gouvernement vise à répondre aux besoins fondamentaux du secteur privé et des ménages. Il assure ainsi un avenir prospère pour tous les citoyens congolais. Ce pilier intègre trois principaux volets. Le premier porte sur la connectivité du pays. Le deuxième sur la numérisation de la société congolaise. Et le troisième sur l'habitat et le logement. La connectivité du pays sera assurée par plusieurs actions ciblées qui portent sur les investissements dans les infrastructures de transport pour favoriser la mobilité et développer des modes de déplacement multimodaux d'une part, et d'autre part sur l'amélioration de l'accès aux services de transport et voies de communication. S'agissant des investissements dans les infrastructures, 11 projets phares ont été ciblés, dont 5 peuvent illustrer l'engagement de votre gouvernement à poser définitivement les jalons de la connectivité du territoire. Il s'agit notamment des actions suivantes. Lancer les travaux d'urgence des sections les plus abîmées des routes de commerce transfrontalier et d'interconnexion. Il s'agit notamment de la RN2, Bukavu-Shabunda-Kindu, la RN3, Bukavu-Walikale-Kisangani, la RN23, Zongo-Libenge-Gemena-Bumba-Akula, la RN5, Bukavu-Uvira-Baraka-Fizi, la RN27, Maagi-Bunia-Komanda, RN4, Kisangani-Buta, et la RN16, Kisantu-Kimvula-Popakabana. Popokabaka. Réhabiliter et moderniser la voie ferrée reliant Lubumbashi à Ilebo. Accélérer la construction du port en eau profonde de Banana. Lancer et accélérer les travaux de construction et de modernisation des aéroports, notamment celui de Ndjili à Kinshasa, Kavumu à Bukavu, Boende dans la Tchouapa et Bipemba à Bujimbai. Par ailleurs, votre gouvernement mettra en place un groupe de travail ad hoc qui comprendra les délégués de l'Agence congolaise des grands travaux,
la cellule infrastructure du ministère des infrastructures et travaux publics, l'office des routes, l'office des voies et des voiries et drainages, le groupe d'études des transports, le comité de suivi du plan directeur des transports urbains de Kinshasa, chargé de proposer des mesures urgentes pour le désengorgement de Kinshasa, Matadi et de la RN1 dans le segment Kinshasa-Matadi. Il s'engage également à réhabiliter et entretenir 10 000 km de routes de desserte agricole par an à travers les 145 territoires en guise d'alignement à l'initiative présidentielle prioritaire concernant les routes de desserte agricole du PDL 145 territoires. S'agissant de l'axe d'amélioration de l'accès aux services de transport et voies de communication, dont la finalité est d'assurer la mobilité des personnes et des biens, ainsi que l'interconnectivité des territoires, votre gouvernement retiendra comme action prioritaire le renforcement de capacités de l'ONATRA pour lui permettre de jouer son rôle de vecteur de l'interconnectivité de nos territoires. Pour ce faire, trois grandes actions ont été identifiées. Il s'agit de la réhabilitation du transbordeur du chantier naval de Ndolo et l'équipement des autres chantiers navals de la partie ouest du pays appartenant à l'ONATRA, la régie de voies fluviales, la SNCC et Chani Metal. La modernisation du chemin de fer Matadi-Kinshasa, en ce compris la modernisation de la voie, système de signalisation, télécommunication, construction, ouvrage d'art, et aussi l'acquisition du matériel roulant et tracté. Dans le même ordre d'idées, votre gouvernement soutiendra la campagne de balisage d'urgence du fleuve Congo et des rivières Kwilu, Kasai et Sankuru jusqu'au port de Ndomba et accélérera la mise en œuvre du projet Metrokin pour améliorer ça. Concernant la numérisation de la société congolaise, je me dois de préciser que le fait d'avoir fusionné les deux ministères du numérique et celui de PTNTIC dans votre gouvernement n'est pas synonyme d'oublier les objectifs de transformation numérique indispensables à notre développement. C'est pourquoi votre gouvernement s'engage à développer des réseaux de communication et d'accès à Internet en vue de favoriser l'inclusion numérique et le développement de l'économie numérique dans tous les aspects de la vie nationale. Pour ce faire, le gouvernement a identifié une dizaine d'actions qui convergent toutes vers cet objectif. Les actions les plus emblématiques à mener dans ce secteur sont les suivantes. Mettre en action les projets restants du plan national du numérique Horizon 2025. Établir une identité numérique et rendre opérationnel le projet du guichet numérique. Mettre en place et activer le fonds de développement du service universel. Déployer la première phase du schéma directeur IDRC couvrant 50 000 km du réseau national en fibre optique. Assurer le fonctionnement complet de l'intranet gouvernemental. Implanter une académie des mathématiques, des sciences informatiques et de l'intelligence artificielle à Kinshasa. Le dernier volet de ce pilier concerne la problématique de l'habitat et du logement décent. Il est structuré en un seul axe orienté vers la promotion du développement urbain durable en investissant dans l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Il a pour objectif spécifique de gérer l'urbanisation et de prévenir les problèmes d'accès aux services dans les villes. Pour atteindre cet objectif, votre gouvernement prendra un moratoire sur les cessions foncières dans les zones rurales à problème. Des ressources conséquentes seront allouées à l'Agence nationale d'aménagement du territoire et au Fonds national d'aménagement du territoire pour leur permettre de mener à bien leur politique. Par ailleurs, votre gouvernement s'engage à favoriser la construction des logements sociaux et les initiatives de construction de logements pour les groupes sociaux professionnels. Dans le domaine du patrimoine privé de l'État,
votre gouvernement prévoit de dresser un inventaire complet des biens, de réhabiliter et de récupérer les biens spoliés et d'actualiser les tarifs de location. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorables députés nationaux et élus légitimes du peuple. Nous voici arrivés au quatrième pilier de notre programme d'action du gouvernement consacré à l'action, à l'accès aux services sociaux de base. L'accès aux services sociaux de base est un droit fondamental pour tous les citoyens et est un élément essentiel pour assurer le bien-être et la dignité de chacun. Pour mettre en œuvre ces mesures et pour atteindre les objectifs spécifiques de ce pilier, votre gouvernement adoptera une approche intégrée en vue de garantir un accès équitable et universel aux services sociaux de base, renforçant ainsi la cohésion sociale et la solidarité au sein de notre société. Les projets, réformes et actions de ce pilier sont regroupés autour de 5 volets ou secteurs qui concourent à la promotion du capital humain. Il s'agit de l'accès à l'eau et à l'électricité, l'accès à l'éducation et aux soins de santé, l'accès à la culture et au sport, l'accès à la protection sociale et finalement l'accès à l'information. Ces différents volets se déclinent en 12 axes stratégiques regroupant au total 53 actions dont le coût cumulé sur les 5 ans est estimé à 41,6 milliards de francs congolais et une moyenne annuelle de 8,3 milliards de francs congolais, ce qui représente 15% du coût total de ce programme. Le volet d'accès à l'eau et à l'électricité intègre deux axes stratégiques. Dans le premier, il s'agit de garantir l'accès à l'eau potable et à l'assainissement en investissant dans les infrastructures hydrauliques. Il intègre quatre objectifs spécifiques, à savoir élaborer un cadre institutionnel performant, capable d'assurer son rôle normatif et réglementaire et de protéger le droit de tout usager, assurer un service public de qualité, créer les conditions favorables à l'engagement des opérateurs de qualité, mettre en place un système de régulation efficace, indépendant et financièrement viable. Le deuxième axe stratégique est la garantie de l'accès à l'énergie en investissant dans les infrastructures électriques. En effet, pour faire face aux innombrables défis de ce secteur, votre gouvernement s'engage à garantir un accès fiable à l'électricité pour tous les groupes sociaux. Pour ce faire, il prendra des mesures urgentes relatives à l'amélioration significative de la desserte en électricité dans les grandes villes. Il s'engage également à améliorer la productivité d'Inga 1 et 2 pour porter la puissance à 1300 MW et à finaliser et à mettre en service les nouvelles centrales hydroélectriques de Katende et de Kakobola. En sus, des efforts seront consentis pour rénover et étendre le réseau de distribution haute tension 72 kV de Chikapa, Kamonia, Inga Kolwezi, etc. Par ailleurs, votre gouvernement fait sienne l'ambition de transformer le secteur de l'électricité en un pilier de revitalisation et de croissance de l'économie congolaise. C'est pourquoi il s'engage à finaliser le montage du programme Grand Inga, de poursuivre la réforme de l'ASNEL et le déploiement de l'organe de régulation du secteur, l'ARE. Et finalement, financer le fonds Winda sous la gestion de l'ANSER et finaliser l'élaboration du schéma directeur de l'électrification du pays, incluant une normalisation technique et la description des infrastructures de production, de transport et de distribution de l'énergie.
Le deuxième volet de ce pilier concerne l'accès à l'éducation et aux soins de santé. Dans ces deux secteurs, le gouvernement maintiendra l'engagement de continuer à améliorer le bien-être social de la population. Dans le secteur précis de l'éducation, l'engagement de votre gouvernement s'inscrit dans la poursuite et le parachèvement de la mise en place d'un système éducatif performant, inclusif et équitable. Cet axe stratégique, qui intègre au total 15 actions, a pour objectif de construire un système éducatif contribuant efficacement au développement national, à la citoyenneté et à la promotion de l'éthique du travail. La gratuité de l'enseignement de base sera complétée par des efforts pour améliorer les conditions d'apprentissage des enfants, des élèves et les conditions de travail des enseignants. Par ailleurs, le gouvernement continuera à moderniser les infrastructures universitaires et soutenir la recherche scientifique. Dans le domaine de la santé, le gouvernement continuera à mettre en œuvre la couverture santé universelle visant à garantir l'accès aux soins pour tous, en commençant par la gratuité des accouchements, en instaurant un régime de santé obligatoire pour tous les citoyens et en renforçant les services de santé publics. La garantie de l'accès aux soins de santé de qualité pour tous constitue un moyen pour atteindre l'objectif fixé par le gouvernement dans ce domaine. Il s'agit d'augmenter l'espérance de vie du Congolais. C'est la raison pour laquelle plusieurs actions seront entreprises dès l'investiture, notamment étendre la couverture santé universelle à l'assurance maladie de certaines catégories de la population que sont les enseignants, les militaires, les policiers, les invalides de guerre et de la police, ainsi que les retraités. Étendre la gratuité des accouchements et les soins aux nouveau-nés dans toutes les provinces. Poursuivre la réfection et l'équipement des hôpitaux généraux de référence des chefs-lieux des provinces. Élaborer et signer le décret favorisant l'opérationnalisation du système national d'approvisionnement en médicaments à travers l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique et mettre en place l'Agence nationale d'approvisionnement en médicaments pour l'optimisation de la distribution des médicaments aux établissements des soins et dépôts pharmaceutiques. Le troisième volet est relatif à l'accès à la culture et au sport. L'accès à la culture et au sport est également un élément essentiel pour le développement personnel, social et communautaire. En garantissant un accès équitable à la culture et au sport, les actions prévues dans ce volet contribueront à enrichir la vie des citoyens, à renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté et à promouvoir la diversité culturelle et le bien-être général de la société. Ce volet se décline en deux axes stratégiques. Le premier concerne la promotion de la culture et des arts congolais dans toutes leurs dimensions. Il a pour objectif de mettre en valeur et faire connaître l'immense patrimoine culturel du pays. Le second axe est relatif à la promotion des sports comme l'un des leviers du rayonnement du pays et de l'amélioration de la santé du Congolais. Les actions qui convergent vers l'objectif de promouvoir une classe de citoyens sains d'esprit et de corps, capables de contribuer efficacement au développement. Il s'agira notamment de relancer les Jeux congolais et provinciaux en utilisant les infrastructures construites lors des Jeux de la francophonie d'une part et d'autre part de construire et moderniser les infrastructures sportives dans toutes les provinces. S'agissant du quatrième volet, celui-ci porte sur l'accès à la protection sociale. Honorables membres du bureau,
honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple. Avant de clore mon discours, je voudrais à travers vous m'adresser à celles et ceux de nos compatriotes qui sont en ce moment même rongés par l'extrême pauvreté ou pour d'autres par les affres de la guerre ou d'autres calamités. Aux milliers de jeunes congolais désarmés par le poids du chômage, aux milliers d'agents publics et aux travailleurs qui aspirent à une ère nouvelle, aux veuves et aux orphelins qui souffrent dans nos pays du sentiment d'être toujours des oubliés de la République et qui ont perdu tout espoir, à travers vous, honorables députés, dignes élus du peuple, je voudrais envoyer du haut de cette tribune un message d'espérance et souligner qu'avec l'aide de Dieu et sous l'égide de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, leurs différentes situations connaîtront sans nul doute un changement certain à la suite des projets, réformes et des actions salutaires qui seront mises en œuvre par votre gouvernement dans le cadre du présent programme. À vous qui êtes les représentants légitimes de nos frères et sœurs vivant dans la partie nord-est du pays, qui ont perdu foi en la vie, qui dorment chaque nuit avec la peur de ne pas avoir le jour d'après, je voudrais ici indiquer notre ferme volonté et je dirais même notre détermination à œuvrer sous le leadership du chef de l'État pour un retour effectif de la paix véritable dont ils sont privés depuis maintenant 30 ans. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député national, élu légitime du peuple. La République démocratique du Congo est face à son destin. Ce qui est en jeu aujourd'hui n'est pas seulement la question de l'émergence ou du développement de notre pays. Ce qui est en jeu va au-delà de nos clivages et de nos différents intérêts. Ce qui est en jeu, c'est la réappropriation de notre destin en tant que Congolaises et Congolais. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir de notre pays en tant que nation, une et indivisible. Et pour relever tous ces défis, nous devons être capables de mettre de côté ce qui nous divise afin qu'ensemble, nous fassions triompher l'intérêt général et l'intérêt général seul. Nous sommes les descendants de Kimpavita et de Kimbangu. Nous sommes la patrie de Kasavubu et de Lumumba. Rien ni personne ne doit nous faire reculer ni nous faire trembler. Et je voudrais ici, si vous le permettez, honorable député, digne élu du peuple, en ma qualité de première ministre, chef du gouvernement, en tant que ma qualité de maman congolaise, indiquer que la République démocratique du Congo se défendra face à nos agresseurs ainsi qu'à leurs complices, ceux qui massacrent tous les jours nos paisibles populations, qui décapitent nos enfants, nos frères qui violent nos sœurs, nos mamans qui pillent nos richesses. Tôt ou tard, ils répondront de leur barbarie et de leurs crimes devant la justice. Notre vocation, c'est d'être une puissance au centre de l'Afrique et nous allons nous donner les moyens d'y parvenir. Voilà pourquoi, sur base de ces convictions, je sollicite humblement honorables députés nationaux et élus légitimes de notre peuple, que vous approuviez le programme de votre gouvernement dont le résumé vient de vous être exposé. Que vive la République démocratique du Congo. Que Dieu protège et bénisse notre peuple et ses dirigeants. Je vous remercie. Matondo Mingi, toi ça qui dit là. Aksanti Sana. Matondo Nabeso, Matondo Nabeso Bachi.